yam bam be da dam bam be da dam bam be da dam bam be yam be da dam bam be da dam bam be da dam bam Anna Dantsev. Ja olen Balkan Most-festivaaleilla yhtyeeni Dantsev Domain kanssa. Je suis Anna Dantsev. Nous sommes au Balkan Most Festival avec mon groupe Dantsev Domain. Et bien tout d'abord, Dantsev, c'est mon nom. Et puis, Domain vient du fait que depuis que je suis enfant, je chante de la musique traditionnelle qui est du domaine public. Alors maintenant que j'ai créé mon groupe avec mes propres compositions et mes propres histoires, je voulais vraiment souligner que je ne mets à jour aucune tradition, je n'essaie pas de recréer quelque chose qui a déjà été fait. C'est donc mon domaine, Dantsev Domain. Kind of cliche, but I was born to family with music, so I started to do music or be with music ever since I was born. My father is a Bulgarian musician and he moved to Finland in 1960. C'est un peu cliché, mais je suis née dans une famille musicienne, alors j'ai commencé à faire de la musique, à être avec elle depuis ma naissance. Mon père est un musicien bulgare. Il est arrivé en Finlande dans les années 60 et a apporté sa tradition avec lui. Et grâce à lui, j'ai grandi non seulement avec la tradition musicale bulgare, mais aussi avec la musique en général. Je ne peux pas dire exactement quand j'ai vraiment commencé, mais avec Dantsev Domain, nous avons démarré en 2019. Mais je fais de la musique pour mon métier depuis déjà quelques décennies. D'abord le chant bulgare, puis la musique traditionnelle finlandaise et la musique afro-américaine, et puis les groupes de reprise, le jazz, des trucs comme ça. I'm a mountain girl, and I sail the seas with my two kids on very long history. I'm a mountain girl, and I sail the seas. From a flat country, I took up to the world to see. I'm a mountain girl, and I sail the seas with my two kids and very long history. I'm a mountain girl, and I sail the seas. From a flat country, I took up to the world to see. Never, never give myself away. I love trombone. I love the sound of trombone, and the character of trombone is so strong and sensitive at the same time. And the sound of trombone, it suits my voice very well. J'adore le trombone. J'adore le son du trombone. Le caractère du trombone est très fort et très sensible à la fois. Et le son du trombone, ça colle très bien à ma voix. Quand j'ai lancé le groupe,
Quand j'ai commencé à avoir une vision de mon propre son, la première chose à laquelle j'ai pensé, c'était le trombone. Je voulais avoir un trombone dans mon groupe pour avoir une ligne de basse et aussi qu'il soit comme ma seconde voix. Et puis évidemment, je devais aussi trouver le bon musicien et le bon profil pour être avec moi sur scène, afin que nous ayons un dialogue et que nous soyons en harmonie. I'm a songwriter, and every songwriter, we take inspiration from life, our personal life and then life that is surrounding us. So obviously what I have experienced myself, what I have thought... Je suis une songwriter, et comme chaque auteur-compositeur, on s'inspire de la vie, de notre vie personnelle, comme de celle qui nous entoure. Alors évidemment, tout ce que je vis, ce que je pense, ce que je vois ou j'entends va influencer ma musique. Donc, toutes ces questions d'identité biculturelle et le fait d'être un petit groupe minoritaire en Finlande, d'une certaine manière, cela fait aussi partie de ma musique. Mais je n'écris pas mes chansons en essayant d'expliquer quelque chose, parce que la musique est une émotion, du moins pour moi. Ce sont des émotions. Et puis l'émotion, c'est ce qui me pousse à composer la musique et à écrire les paroles. We have to live, that's what we are here for. Finland myself, yeah. My father is Bulgarian and my mother is Finnish. I grew up with Bulgarian tradition in Finland, so it was in our home, even though it was. Je suis moi-même née en Finlande. Mon père est bulgare et ma mère est finlandaise. J'ai grandi dans la tradition bulgare en Finlande, mais c'était plutôt chez nous, à la maison, et pas vraiment à l'extérieur. J'ai un lien fort avec la Bulgarie et lorsque mes grands-parents étaient encore en vie, j'avais l'habitude de voyager et je leur rendais souvent visite. Nous avions aussi des contacts par téléphone et par courrier. Il y a donc toujours eu un lien très fort avec la Bulgarie, même si je vis principalement en Finlande. Mon père n'est pas venu en Finlande dans les années 60 à cause d'une quelconque communauté bulgare, il est venu à cause de la musique. C'était un musicien qui faisait des concerts en Europe.
Il est venu en Finlande avec son groupe bulgare et il y est resté. Dans certains endroits, c'est plus connecté et plus lié. Mais moi, je suis née dans le nord de la Finlande, un très petit village appelé Arbourvesai, et nous n'avions pas d'autres Bulgares vivant à proximité. Donc il n'y avait pas de communauté bulgare avec laquelle communiquer. There are love songs, there are hate songs, there are, you know, angry songs and really funny and happy songs. Il y a des chansons d'amour, il y a des chansons de haine et des chansons de colère, des chansons vraiment drôles et joyeuses et d'autres idiotes, parce que pour moi la vie est comme ça. Je veux dire, il y a toujours des hauts et des bas et on ne sait jamais vraiment ce qui se cache derrière le coin. Je compte bien continuer avec mon groupe Danchev Domain. Nous avons déjà sorti deux albums et maintenant nous commençons à travailler sur le troisième. Cela signifie que nous recommençons tout à zéro. Comme toujours, lorsque vous démarrez un processus créatif, même si vous avez fait des choses avant, lorsque vous lancez un nouveau projet, vous partez de zéro. Donc ça va prendre du temps et peut-être en 2025, si j'ai de la chance, mon troisième album avec Danchev Domain sortira. Благодарим много. Thank you so much. Köszönöm. We are Danchev Domain and we say kiitos.